Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Alors du coup, on va tout de suite mettre continuer pour reprendre où on en était. Donc si je me souviens bien, on était dans un espèce de tombeau, enfin ou de espèce de catacombe enterrée, enfin sous terre. Et ah oui, poche d'air, voilà, on venait de s'extraire d'un endroit où il y avait de l'eau. Voilà, je me souviens à peu près. Ok, donc on va continuer notre histoire. Ah là là. Bon, j'espère que les chargements sont pas trop longs dans ce jeu. Parfait. Ok, donc... oui, effectivement, on venait de sortir de là. Et on allait découvrir cet endroit. Ah oui, là je peux pas, là il me faut le couteau amélioré, je sais pas quoi. Le temple que Dominguez cherche partout. Ok, ouais, on avait ramassé 2-3 trucs, là on s'en souvient avant de sauvegarder. Donc... C'est quoi ça? Ah, oh, heureusement que je suis pas allé trop vite. Oh là là. Heureusement que je suis pas allé trop vite. Est-ce que je peux marcher d'ailleurs? Oui, c'est contrôle. Il y a un truc qui se balance là-bas. Ouais. Avec une grosse cloche en or. Est-ce qu'il y aurait pas un truc caché là? Une espèce de truc qu'il faut que je... Hop là! Allez! On grimpe. Oula! Une pyramide. Dans une grotte. J'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Oula. Waouh. C'est pas bon ça. Lara, les trinitaires entrent à l'explosif. Ok. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Allez, pourquoi pas, on saute comme un bourrin. Hop là. Je peux aller là? Ouais, allez, on grimpe, vite, 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 hop là. Ok, là ça redescend, on va explorer un peu ici. Alors là, il y a un truc, c'est quoi ça, des bouts de bois? Morceau de planche. Il n'y a pas les espèces de crânes qu'il faut que j'explose là? Ouais, bah ça j'avais vu. Ah, je peux pas faire genre... puf? Non, du tout. Ok, il va falloir que j'aille tout là-haut. Ok, je vois. Là, il y a un truc à pousser, sûrement. Alors là, il y a une boîte. Lara, comment ça va? Bien. J'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Je t'entends mal. Il y a de l'activité ici. Je vais me rapprocher. Mmh. En tout cas... Ce qu'on peut dire, c'est que Lara, elle a une sacrée paire de couilles, hein. Parce que sauter comme ça, comme elle fait, de plateforme en plateforme avec un vide monumental en dessous. Je dois trouver un moyen d'atteindre l'autre côté. C'est pas moi qui le ferai. Hein. Est-ce qu'on peut pas aller là-bas aussi? Faut que je fasse monter cette cloche. Eh ben ça, d'accord, merci. Hop là. Oh, de l'or! Du minerai d'or. Vendez le minerai d'or au marché. Métal rare pouvant être récolté dans une veine. Ok, donc ça c'est pour me faire de l'argent, je suppose. Plus tard, on verra. Alors, là on va descendre. J'ai un peu peur que... En faisant tomber ce machin... Alors ça j'adore dans les jeux. On est en l'air, on peut se déplacer. Allez. J'ai un peu peur que je me bloque l'accès à un autre truc plus loin là, mais bon, on verra. Et voilà, je fais comment maintenant? Ah, mais oui, d'en haut là-bas. Et oui. Depuis là. Là-bas, il n'y avait rien en bas. Non, il n'y avait plus rien là-bas. Non. Ok, c'est parti. Voilà. Hop là. Ok, là, on peut aller là-bas. Est-ce qu'on peut pas aller là-bas? Non, il n'y a rien là-bas. J'ai là-bas, allez, on court et on saute. Oh
Oh là là. Oh putain, ça m'a fait sursauter donc. Ok, c'est pas du tout la merde. Allez, on grimpe. Wow. Qui c'est qui fait ça en vrai hein? Personne. Ok, donc là on en apprend un peu plus sur la civilisation. Un autre groupe, parti quelques jours après la procession principale, a raconté que des choses étranges s'étaient produites en chemin. Les animaux devenaient de plus en plus féroces, et la jungle elle-même paraissait plus dangereuse. Les arbres et les lianes étaient encore plus densément enchevêtrés, et portaient des épines longues comme des doigts, et acérées comme des lames. Mmh. Ok. Récit d'événements étranges. Très bien, allez, on explore tout ça. On explore tout ça. Attendez, faut que je coupe le micro 2 secondes, j'ai un petit problème. Excusez-moi, je suis désolé. Il y a mon chien qui a fait tomber un truc de dans la maison. Là, je peux pas faire un truc là-dessus. Ça fait quoi ça? Qu'est-ce que ça va faire? Ah, je peux faire ça. Clac. Et là. Non, je peux pas faire ça. Flèche grappin, non? Je peux pas encore le faire ça. Lorsque vous tentez. Ah, tenez près d'un poteau. Ah, voilà, c'est ça. Faut que je me mette là. Voilà. Là maintenant on peut grimper en haut. S'il n'y a plus rien à récupérer là. Non. Ok, donc là. Hop, on grimpe. C'est vraiment grand. Hein. Super beau. Ok, on descend comment là? Comme ça. Très bien. Ok, on gagne pas mal d'XP. Elle est grande cette pyramide hein. Elle est grande cette grotte surtout. Pour pouvoir construire une pyramide dedans. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Mmh. Ceux qui en sont dignes seront sacrifiés à la déesse rouge, déesse de la lune croissante et décroissante, notre aïeule à tous, preneuse et donneuse de vie. Ok. Très bien. Attention, il y a un piège là. Hein. Heureusement que je l'ai vu parce que ça aurait piqué sinon. Ça aurait piqué. Ah, d'ailleurs, est-ce que c'est le genre de jeu qui les piques m'auraient tué ou m'aurait juste blessé un petit peu? Bonne question. Je pense que de toute façon on va finir par se retrouver sur cette... il y a des cadavres là. Sur cette pyramide. Hop là. Voilà là. J'ai fait n'importe quoi là. J'ai chu tout en bas. Allez on recommence. J'ai stressé, j'ai voulu attraper le machin. Il y a une échelle là. Ah ouais non c'était là-bas. Oh, yop là. Ah, c'était là-bas en fait qu'il fallait aller. Oh, alors là, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, là, il y a une corde là-bas. Là, on va sûrement pouvoir passer par là après. Ça, je peux y tirer? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas. On va aller voir. Je peux la couper, la corde? Oui. Je peux couper la corde. Et là, je peux la réaccrocher, ouais. D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ah! D'accord. En fait, il fallait laisser ça comme ça. Et là, il fallait enrouler ça. Ah, ok. Ça sert à quoi ça? À quoi ça sert ça? À quoi ça sert ça? Allez, des matériaux. À quoi ça sert ce truc? Ah là, il va falloir pousser ça. Ok. Voilà, donc ça c'est très... Boum, ça c'est typique de Tomb Raider. C'est des petites énigmes comme ça à résoudre. Donc là, je suppose qu'il va falloir le tourner, ça. Ça, je peux le tirer. Est-ce que je peux le tirer? Ouais. Non, je ne peux pas le tirer. Ok, donc là on va faire tourner ce truc. Dans l'autre sens. Par là. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que... Ah! Ah, d'accord, là, ok, j'ai compris. Regardez. On va faire ça maintenant. Clac. Et là, on va faire revenir le truc tout en haut. Yes. Et une fois qu'il va être tout en haut, on va le balancer sur le truc. Voilà. Et là, on coupe la corde. Chloc. Boum. Allez. Heureusement qu'il y avait une plateforme tournante pile poil à cet endroit. N'est-ce pas? Sinon, comment on aurait fait tout ça? Alors maintenant, on peut aller là-bas en haut. Wouhou! Wouhou! Allez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand-chose. Il y a quoi sur ce truc-là? Il y a une espèce de... Un truc de sacrifice. Sûrement. Ok, des trucs à ramasser. Là. Ok, il y a de la peinture blanche pour nous dire qu'il faut sauter. Ouais. Donc j'ai dit des bêtises hier. Enfin hier, la dernière fois. Oula. La dernière fois j'ai dit, il n'y a pas de... En général dans les jeux, il y a de la peinture pour nous dire, tiens, là vous pouvez sauter, là vous pouvez faire ceci. Et j'ai dit, mais c'est bien, là, il n'y en a pas, pour une fois. Comment on descend en rappel déjà? Ah bah c'est bien, ça me le dit. Ouais, il fallait juste cliquer en fait. Yes, on est en haut de la pyramide. Oh oh oh. Et ça, c'est un autel sacrificiel au milieu? Jonah. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». Ah oui. C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les trinitaires? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. Oui, oula, il y a plein de pierres précieuses là. On dirait la constellation de l'Hydre. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Une énigme. Voilà. Ils étaient forts quand même, ces Mayas. Oh. Jonah, j'ai trouvé une dague. Oh. La dague, elle était représentée sur la fresque. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les trinitaires.
Vas-y, récupère le couteau et on se casse. Ouais. En général, quand tu récupères un truc précieux, ça va tout s'écrouler. Et voilà. Boum. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Merde. Jonah, reste pas là, remonte. Oh non, tu l'as prise, c'est ça? Vite. Bah oui. On allait quand même pas la laisser là. Attends, y a pas un truc là, non? Mur destructible. C'est bon, ça passe maintenant. Ok. Et on est déjà dehors. Bah dis donc. Si on avait trouvé cette entrée là, ça aurait été plus facile, non? Oui, ça va, ça va. Dominguez arrive cette nuit. Ah oui, eux ils y étaient presque. Et moi ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette... Tu crois que je fais quoi, bordel? Respecte justement la pompe à eau. Bon, on va faire en sorte que tout se déroule correctement. Je peux me déplacer dedans sans qu'il me voie. Clac. Allez. On peut le cacher dans le mur. Comment ça se passe avec la pompe ? Je peux le fouiller. Attends, si je me planque. Je peux me planquer dans le mur là ? Comment ça marche ? Tout seul dedans. Ok, on se casse. Comment on se casse? On se barre par où là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ah pour là, fallait juste sauter. Attention. Wow. L'opération nuit noire. Les ouvriers locaux ne doivent partir vivants. Ils sont sympas, hein. On s'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. Tu crois qu'on trouvera quoi? Je sais pas, mais il paraît que ça va être incroyable. On va vérifier que la zone est sécurisée avant que le commandant Rourke arrive. On sera prêt. Alors, attends. Les ennemis en rouge sont visibles par leurs compagnons et ceux en jaune sont isolés. D'accord. Ok, donc ça veut dire que lui, je peux le tuer sans problème. Donc lui, je peux faire clac. Tout à fait discret, hein. T'en fais pas, je vais réparer ça. Ah, qu'est-ce que c'est long. Si Dominguez doit nous attendre, quand il arrivera, ça va pas être joli à voir. Ok. Les inspecteurs arrivent, soyez prêts. Tu passes quoi à la porte? Clac. Allez. Est-ce que je peux le cacher, le mec? Non, je peux pas le cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des bouteilles. Ah oui, on peut jeter des bouteilles. Ok, donc il y a les bouteilles. Là, il y a une caisse que j'ai pas ramassée. Ok, des medikits. Attendez, c'est quoi les touches? Médicaments. Je ne sais pas. Donc là, c'est par là qu'il faut que j'aille. Oh là! Je peux pas se passer là, non? Hyper discret. Bon, on va s'occuper des corps. Toi, surveille les ondes de la police. Préviens-nous si quelqu'un signale des coups de feu. Un hélicoptère, super. Je veux que tout soit prêt quand ils arriveront. Saleté d'archéologues. C'est bien fait pour leur gueule. Ouais, ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien, ils ont compris. Clac. Ça valait le coup. Ouais.
C'est quand on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. Boum. Où sont les renforts? Slack. Vous foutez pas de moi, la zone est sécurisée, mais on a besoin de soutien. On n'est pas vraiment discret. Vas-y, viens là, toi. Deuxième partie du plan. On dit aux habitants qu'on a tué un puma enragé. Merde. QG à l'avant-poste. Oups. Répondez. Je ferais mieux d'aller voir. Avant-poste, vous êtes là. Hein? À vous. Allez, sors-toi de là. Les inspecteurs arrivent. Pouf, allez, ça c'est fait. Ça aurait pu être mieux fait, mais c'est fait. Ok, on peut pas récupérer des trucs sur son ordi, lui, non. On va fouiller un peu la zone. Là, il y a une bouteille, là, il y a une caisse. Hop. Pour le moment, on n'a pas besoin de la bouteille. Je peux monter, là. Ouais. Voilà. C'est quoi ça, des balles, ça, non? Comme ouais. Je t'ai dit, elles viennent juste d'arriver. On les transférera un peu plus loin ce soir. Ah, bien. Parce qu'imagine qu'un flic kamikaze balance une grenade par-dessus et qu'elle atterrit sur nous. Ah, mais j'ai des armes. Direct. Ah, mais c'est pas silencieux les armes, par contre. Elles sortent d'où ces armes, d'ailleurs? Il va me voir là. Pas le temps pour ces conneries. On non. Va sécuriser le mur. Je passe au prochain secteur. Il me voit pas là. Allez, monte là toi. Hop. 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 Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Vas-y, viens là, toi. Ah là, ça va être compliqué. Ah, la tempête sera bientôt là. Direct, il y a quelque chose. Je vais vérifier ce que c'est. Oh! C'est la raccroche! Tirez! Comme une gaz laveur en vie! D'accord, donc ils me veulent en vie. Bien reçu. Cible en vue. Comment ça, cible en vue? J'ai jamais aimé les ennemis. Ah ouais, d'accord, direct, allez, vas-y. Wow. Ça pique. J'ai pas des grenades? Aussi. Heureusement que je sais bien viser. Fou. Ah, c'est pas mal ces petites phases d'action aussi, hein. Ça change. Ça change. Et l'hélico, il est où là? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas le tirer dessus, l'hélico? Non. Alors, on fouille les cadavres. C'est quoi ça? Ça doit exploser, ça, je pense. Ah, il doit avoir un peu plus de trucs, non? Non, même pas. C'est le truc qui pète, ça, non? Oui. Boum. Quoi, ça m'a tué? Sérieux? Mais j'étais à 3 km du truc. Quoi? Je suis où, là? Ok, ça m'a fait apparaître ici. Ok, très bien. Trouver un feu de camp. Ah oui, pour les points de compétence, c'est au feu de camp. Alors, on peut passer par là, mais on va explorer la petite pièce à côté. Toujours, hein, dans les jeux vidéo, ne jamais suivre le chemin indiqué. Toujours aller sur les chemins de traverse. Hop. Allez. Hop là. Ah, par contre, on va reprendre l'arc maintenant. Normalement, je peux me fabriquer des flèches aussi. Peut-être pas encore. Après.
On verra après. La voilà. Oh. Allez, ça va tirer. Oui. Oh la dague. Arrêtez. Ne lui faites pas mal. Mais ils m'ont quand même tiré dessus, hein. Lara Croft. Eh oui, c'est moi. Les voix sont très très basses par rapport au reste. Audio. Musique. Effet sonore. Et je vais monter un peu le son dans mon casque. C'est bizarre. Ok. Ouais. Je m'intéresse de près à votre travail. C'est mieux. Comme tous les trinitaires. La clé de chaque chaîne. D'ailleurs, il faudra que je regarde si le son du jeu est assez fort. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent d'Ishel? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri. On l'a pas, non? Pas. Ouais. Sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes. Tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Ok. Rendez-vous compte du tragique de la situation. Vraiment. L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle nous consume. Donc il va chercher la boîte maintenant. Ah ouais. Mais en fait le temple il était vraiment presque dans la ville quoi. Ok. Boum. Voilà. Quel bordel. Ah ok, donc là on peut jouer à droite, à gauche, à la droite. Faut qu'on évite les trucs je suppose. Est-ce qu'on peut sauter? Non, oula. Oula, c'est chaud. Ça se déplace. Ouais, ok. Oula. Ça va, c'est pas trop le bordel. Oh putain. Ah oui, ça pardonne pas. Ok. Ça pique, hein. Ok. Allons-y. Bon. Ah, on recommence du début. Ok, vas-y, tranquille. Ça arrache les baraques et tout. Ah, on essaie à gauche cette fois. Ta-da-ta-ta, on évite les trucs. Oula. Plouf. Allez. Hop. Oh là là. À gauche. Hop, 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 hop. Ça se pète tous les gueules de partout. À droite. Hop. Allez. Pff. Hop. Allez, on passe par-dessous. Allez. Tiens-toi.
Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Ok, oh là là. Ah, une voiture, vas-y. Évite la voiture. Évite la maison. Oh. Hop là, voilà, bing, allez. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a plus de courant là. C'est fini. Nager plus vite, ok, ouais, hop. Oh, on n'a pas le temps de regarder, hein, on nage. Hein. Il y a des cadavres un peu partout. Je peux pas, ouais, voilà. Récupérer de l'air. C'est marrant, on dirait presque qu'elle a pas la même gueule que dans les l'épisode d'avant, j'ai l'impression. C'est que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Allez, vas-y, voilà. On va faire ça tout de suite, t'as pas vu qu'il y avait un cadenas, non? Allez! Dans l'eau, ça doit être tellement impossible de faire ça en vrai. Peut-être pas impossible, mais en tout cas, très très dur. Allez, y'a de l'air en haut ou pas là? Oh non, y'a pas d'air. Y'a pas d'air? Y'a pas d'air. C'est où la sortie? C'est où la sortie? Y'a pas d'air, y'a pas d'air. Putain, c'est où la sortie? Faut que je rentre dans le bus? Ah putain, faut que je rentre dans le truc. Allez. C'est pas un bus, c'est un camion. Allez. Pareil, c'est impossible ça en vrai. Dans l'eau, tu t'as pas de force. Ok, là il y a de nouveau du courant. Faut que je prenne de la hauteur. Oui, ce serait bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas très longtemps. Ok, ok. Ouais, pas mal. Sur donc c'était un film sur le tsunami qu'il y a eu en aux Philippines, je crois, ou je sais plus où, un truc comme ça, il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps, il y a quelques années déjà, je crois que c'était en 2014. Ok. Allez, on court. Hop là. Ça s'écroule tout, on court. Allez, on s'accroche. Hop là. Clac. Ok, vas-y. Oh là là. Heureusement qu'il y avait un conteneur qui passait à ce moment-là. Sinon, je sais pas ce qu'on aurait fait. Allez! Raté. Scrotch. Ça pique un peu. Bon, j'aimerais bien m'arrêter parce que ça fait une petite demi-heure, une grosse demi-heure. Voilà, une demi-heure que je tourne. On va essayer de finir cette phase d'extrême action. Hop. Voilà. Pour passer. Enfin, faire une pause, enfin s'arrêter du moins, et passer à la suite après. Clac, allez, voilà. Ok, faut aller où maintenant? À gauche, à droite? À droite, on dirait, non? Non? Bah, c'était pas à droite. J'ai pas l'impression. Bon, très bien. Ah bah, ça avait fait une pause, parfait. Ok. Non. Ok, donc tu peux faire ça. Hop là. Tu sautes et tu ressautes sur un mur. Elle est très très forte, Lara. Hein. Non, 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 bah non, oui. Allez, continue. Oh là. Ah zut. Oh putain. Ah oui, c'est pas souvent dans les jeux vidéo qui font mourir des enfants. Hein. Ouais. Ah bah il est là lui. Jonah! Jonah! Lara! J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdu. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui. On doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord, mais d'abord, on va
va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri. Pas s'ils trouvent la boîte avant. Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Ça va mal se passer, je pense. Je me rappelle d'une scène au début qui se passait dans un avion. Est-ce que c'est vraiment de sa faute ? Ah, l'Amazon au Pérou. Ah, cet avion me dit quelque chose. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. Ou de la neige. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. Un on va se concentrer plus. Sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hey, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les trinitaires. Ça c'est sûr. Miguel, y'a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouwaka. Allons-y. Je sens que ça va mal se passer. J'ai en mémoire un avion coupé en deux. Accrochez-vous, ça va secouer. C'est quoi ça? Ok. C'est un grêlon. Sacré grêlon. Je vais blesser l'avion. Donc on est perdu au milieu du Pérou. Maintenant.
Oh. Elle douille, hein, toujours, hein. C'est inévitable. Au milieu de la jungle. Jonah, on sait pas où il est. Bonne boue dégueulasse. Ok. Donc, alors attends, on va mettre pause. Et sur ce, moi, je vais vous souhaiter à tous une très bonne continuation, puisqu'on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt, donc, pour la suite de ce let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Allez, salut à tous. Ciao.